Hitler est peut-être sous l'emprise d'une drogue euphorisante, comme certains de ses soldats sur le champ de bataille. Un événement semble corroborer cette thèse. Plusieurs mois après sa défaite à Stalingrad, Hitler fait face à une autre catastrophe en Italie. Alors que les Alliés progressent après leur débarquement en Sicile en juillet 1943, le Führer rencontre Benito Mussolini dans le nord de l'Italie. Hitler est bien décidé à mettre un terme aux hésitations du dictateur italien. Le ton de ce rendez-vous tranche avec le décor majestueux et feutré de la Villa Pagani-Gaggia. Il paraît à peu près évident que le docteur Morel avait dû donner des cachets à Hitler quand il est allé voir Mussolini. Toutes les descriptions de lui à ce rendez-vous concordent. Il était hyperactif et volubile, clairement sous l'emprise d'excitants. L'annonce du bombardement allié de Rome ne suffit pas à tempérer son enthousiasme. Un officier de l'entourage du Führer écrit « Gêné, les gens ont détourné la tête ». L'explication se trouve peut-être à l'intérieur de l'emballage doré d'un autre médicament du docteur Morel. À l'époque, Hitler prenait 6 comprimés de Vitamultin par jour. Et la composition de ce médicament changeait en fonction de ce que voulait Théodore Morel. Tous les témoignages dont on dispose sur cette rencontre avec Mussolini, et qui décrivent Hitler gesticulant et parlant à tort et à travers, suggèrent qu'il avait très bien pu prendre une dose d'amphétamine avant. Le mystérieux Vitamultin fait partie des 28 différentes potions et pilules qu'Hitler avale quotidiennement. Mais aucune d'entre elles ne pourra empêcher la défaite finale.